Bon, ça c'est pour montrer comment on récupère la fève. C'est pas l'idéal, hein, ça comme noyau, il est bien, il est un peu petit, mais c'est simplement pour montrer la technique. On voit la fève est ici. Normalement, ben, on coupe un bout, voilà. Et on la récupère, mais elle est complètement. Il y a eu, hein, comme dirait l'autre, il y a un ver dans le fruit. On voit que ça a été mangé. Donc, simplement pour montrer comment on récupère une fève de manguier. Il n'est pas impossible que j'obtienne quelque chose, mais je ne vais pas le faire parce que j'en ai suffisamment. Donc ça, il y a visiblement eu une attaque par un insecte. Cette partie-ci est encore intacte, il y a peut-être un embryon dedans, mais j'en ai pas besoin. C'était simplement pour montrer qu'il suffit de couper le noyau et puis d'écarter et de récupérer la fève. Bon, j'avais déjà fait une vidéo sur les mangues, mais comme j'ai fait une vidéo sur la germination, ben voilà. Ça, c'est ma méthode pour les mangues. Il va falloir que je la mette en terre. On a une mangue polyembryonnée parce qu'il y a clairement une racine et une tige ici. Pareil de ce côté-ci. L'éternel problème, c'est de savoir quel est l'embryon, c'est-à-dire hybride, et quels sont les embryons nucellaires, c'est-à-dire clones de la plante mère. Là, ça commence aussi, hein. Et visiblement polyembryonné. Il y a déjà deux racines. Je crois que ce sont les mangues épines, ceci, les mangues pommes. Et ça, je ne sais pas si c'est des chiocamines, je crois bien. Oups. Celle-ci, c'était assez amusant. Elle était, je sais pas si j'ai déjà fait la vidéo. Elle avait déjà germé et la tige se formait déjà dans le noyau même, dans la petite ligneuse du noyau. Donc dans le fruit en fait. Hein. Voilà. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des. Je pense que j'allais parler en taïki, toi. Je pense que ce sont des lin muhao, c'est-à-dire des langues de cobra. Voilà. Oui, ça germe. Hein. Et polyembryonnés aussi. Hein. Ça, je crois que ce sont toutes ces cassures, c'est des embryons. Alors, la littérature, j'ai trouvé un texte qui dit qu'en fait, les embryons nucellaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas obtenus par voie sexuée, sont plus vigoureux que l'embryon hybride et donc l'étouffent. Donc, ils disent qu'il y a un embryon hybride et plusieurs embryons nucellaires. Ce que je constate, c'est qu'il y a plusieurs embryons qui sont plus petits, et il y en a un qui est plus grand, un seul. Donc j'ai envie d'en déduire que le plus costaud, c'est l'hybride. Mais j'observe quelque chose de différent de ce que les scientifiques ou prétendus tels racontent. Donc, voilà des manguiers en train de germer. Là, on voit clairement le phénomène de polyembryonie, hein. Donc ici j'en ai trois. Polyembryonie, ça veut dire qu'il y aura un hybride et le reste, ce sont des embryons nucellaires, c'est-à-dire des clones de la plante mère. Bon, ben alors, pour ceux qui veulent vraiment voir ce que c'est que la polyembryonie chez le manguier, j'ai laissé se développer ce noyau-ci. Je vais essayer de. Oups. De m'en sortir. Alors, il y a des racines qui sont passées à travers. Une, deux, trois racines, c'est des racines pivot, donc je dois absolument essayer de ne pas les casser. Voilà, ça se démonte, hein.
Donc, voici. Voici un manguier. En voici un deuxième. Oups. En voici un troisième. Là, on voit la racine. On voit la racine pivot et puis on voit la tige là, qui s'est repliée, mais quelques heures au soleil et pop, l'héliotropie ou l'héliotropisme fait son œuvre. Je sais pas encore en avoir deux ici. Donc ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà mes 5 manguiers provenant donc de cette même fève, si je puis appeler ça ainsi, c'est la forme d'un haricot en fait, hein. Donc du même noyau. Là, on ne voit pas trop, j'ai mis de la sciure pour le protéger. On voit la tige là, ici. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Hop. Alors, ça, c'est des boutures de laurier sauce. Et ça, ce sont d'autres manguiers. Produits de la même façon. Ah, ça, c'est même famille, hein. Anacardier, mais ça, c'est une noix de cajou. Et d'autres manguiers, voilà, qui vont servir à faire des greffes. Voilà, j'ai transplanté ces manguiers en train de germer il y a 2 jours. Et voilà, déjà la progression. On voit celui dans le fond à gauche, là. Il était sous la sciure, là maintenant il est, quoi, il est 2-3 cm au-dessus. Donc même s'il ne reste plus rien de l'amande, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, de la partie charnue du noyau, à partir du moment où on a un jet et une racine, eh bien ça pousse. Voilà, 2 jours à peine. Alors ça, c'est le jacquier. À mon avis, ça doit être le plus gros fruit au monde. Malheureusement, c'est un arbre qu'on a planté il y a 5 ou 6 ans. Il est déjà bien grand. Il produit, mais on s'est sûrement fait avoir. C'est un arbre acheté, il y a une foire annuelle ici à l'œil en février. Et j'aime bien une variété ancienne, j'ai oublié le nom, dont l'intérieur n'est pas jaune, mais orange. Ici, effectivement, l'intérieur est orange, mais c'est pas bon du tout, quoi. C'est pas du tout ça. Donc, je sais pas ce que c'est comme variété, mais on s'est fait avoir, ce qui veut dire que cet arbre, c'est dommage, mais je vais le dézinguer. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà un citron. En fait, l'État appelle ça Manaosi. Manaosi, c'est normalement un citron vert, hein, le lime. Maintenant aussi, c'est citron vert couleur. Si ça veut dire couleur, pourquoi? Parce qu'ils deviennent jaunes. Je pense que quand on a fait la place, ils se porteront un peu mieux. Il est un peu étouffé, il faut dire. Pourquoi? Eh bien, là-haut, c'est un. En thaï, ça se dit lamiaï. Je crois que en français, c'est longan. Alors, le jacquier, ben, il est là. Et ici, un citron vert. Ça n'a rien à voir avec les mangues, mais bon, c'est pour meubler un peu. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus.